Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 192. Je suis en ce moment au Québec, dans la magnifique forêt. On est entre le Saint-Esticou à Gatineau et le lac Pink. C'est super, je vais vous faire voir aux alentours. Voilà, c'est super beau. Le soleil n'est pas vraiment de la partie, mais hey, on est bien. La température est merveilleuse ici. Je suis avec mon amie Micheline qui est en avant de moi. Je vais me mettre à marcher pour la retrouver. et c'est ça, je me disais, on écoutait ce matin, Micheline et moi, ou cet après-midi, on écoutait de la musique tellement rythmée et tellement le fun. Mon corps s'est mis à être dans une joie. Et là, je me disais, hey, et pourquoi est-ce qu'on ne répandrait pas un mouvement planétaire de joie? Et si on est, de toute façon, on est tous arrêtés, hein, en tout cas, la plupart d'entre nous, on est arrêtés. Et si on choisissait ceci? Bonjour, Rosemary. Allô, Amandine. Et si, justement, on choisissait, parce que la joie, vous savez, c'est un choix. C'est un choix et on choisissait ceci. Et là, ce que je vous lance un défi. Pendant au moins 10 jours, à tous les jours, soit sur votre page Facebook, Instagram, Twitter, peu importe, le réseau social, vous y ajoutez une chanson qui vous crée de la joie dans votre univers. Parce que on est tous une contribution sur la planète. Êtes-vous prêt à partager ceci avec les gens? Oui, la joie est un choix. Oui, c'est ça. Êtes-vous prêt à partager? Et si ça, de vous, c'était une contribution et pour les autres et pour la planète? Hein? Parce que, on s'entend, les gens ne font pas grand-chose, ou du moins, sont arrêtés de travailler. Et sont souvent sur les réseaux sociaux. Et si on était, et si en répandant ceci, ça peut être une vidéo YouTube. Vous allez sur YouTube, vous allez mettre une chanson, une vidéo, quelque chose qui vous apporte de la joie. Et comme on est souvent, en tout cas dans cette période-ci, souvent les gens sont souvent à fleur de peau, pour certains en tout cas. Et si on instillait dans leur univers. C'est sûr qu'ils vont toujours avoir le choix, mais qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous en pensez de vraiment contribuer à votre façon, c'est-à-dire en partageant une chanson? Ça peut être une blague même. Hein? Des blagues, il y en a plein maintenant par rapport au coronavirus. Mais en même temps, changer l'énergie de ça, là. Changer, c'est que les blagues, c'est coronavirus, c'est drôle, mais en même temps, ça maintient en place cette idée-là. En même temps, ça fait rire les gens. Et en même temps, avez-vous le goût de partager quelque chose de vous? Et souvent, mais ça peut être soit, comme je disais, une chanson, un texte, une blague que vous aimez, qui a fait rire les gens, et ajouter mouvement de la joie, ou bien the movement joy, hashtag, ou bien hashtag get your happy on, hein, parce qu'avec Access aussi, ça s'en vient, ça. Donc, c'est comme, wow, avez-vous le goût de ça? Puis, c'est pas juste de le partager, soyez ceci aussi. Ah, nous, en tout cas, on écoutait une chanson tantôt, je suis encore là-dessus, là. Je suis encore sur cette énergie-là, parce que la joie, dans le fond, c'est une énergie. Et c'est une énergie qui coûte rien. C'est-à-dire que c'est juste un choix. Puis, on peut être tenté d'aller dans cette réalité. Suno nous dit, je le fais déjà, mise en ligne de musique, de belles images. Waouh! Et ce matin, j'ai créé des visuels avec des informations positives pour arrêter de focaliser. Waouh! Sur cette affaire. Merveilleux! Merveilleux! Et si vous avez le goût de contribuer à la planète, si vous avez le goût de contribuer à la planète, ici, c'était de faire quelque chose comme ça. Donnez un peu de vous aux gens. Partagez avec les gens ce que vous aimez. Hein, parce que quand on partage ce qu'on aime, ça se multiplie. Donc, c'est ce que j'avais le goût de faire avec vous. Au moins 10 jours ou bien plus, si ça vous fait du bien en même temps, de partager ceci avec les gens. On a tendance à se juger. Oui, mais si les gens n'aiment pas ça, hey, partagez-le. C'est quelque chose que vous aimez, vous. Et les gens choisiront pour eux-mêmes. C'est parce que, en ce temps, oui, on entend, si on se fie
aux réseaux sociaux ou à la télé et tout, bon, c'est toujours le pire, hein, c'est toujours le drame. Mais en même temps, je reçois tout plein de messages. Il y a autre chose qui est en train de se préparer. Je suis en train de... Voilà, et quelque chose qui est en train de se développer, qui est invisible. Et c'est au niveau de... Les gens doivent s'arrêter. Et plusieurs se posent des questions. Et si c'était pour nous de semer des petites graines dans leur univers, avec soit une pensée, une blague, une chanson, allez-y, je m'arrête à ceci, mais qu'est-ce qui créerait une belle énergie dans, qui créerait aux gens, qui éveillerait dans les gens quelque chose qui soit quelque chose, voilà, de lui. Parce que quelque part, moi, je crois que on est, oui, on est tous différents, mais il y a une fibre qui nous, qu'on a tous pareil. On a cette fibre-là. Et plus on se permet de connecter à cette fibre-là de soi-même, plus on peut vraiment, et si c'était comme ça, puis c'était la fibre de qui on était en même temps, qu'on pouvait créer un monde meilleur. En se permettant de connecter à cette fibre-là et de l'exprimer à travers, c'est ça. Ça peut être même, si vous faites un dessin, vous pouvez l'exprimer à tout, aux gens, vous pouvez le partager avec les gens. Et voilà, c'est l'invitation que j'ai le goût de faire avec vous aujourd'hui. Avez-vous le goût de changer la planète? Et si c'était vraiment, mais vraiment le moment de le faire? Merci tout le monde. Bye bye. Et à la prochaine.